Come on, come on.
acclamer? Est-ce que tu veux acclamer plus fort? Est-ce que tu veux acclamer? Maintenant, il y a des deux, il y en a la gueule. Salut tous dans le nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Jésus a donné Kamboalé. Jésus a donné. Thank you.
temps, nous avons beaucoup de Judas autour de nous. Judas fut un disciple et après il est devenu un traître. C'est cela qu'il faut beaucoup se méfier. Ton ennemi n'est pas trop loin de toi. C'est celui avec qui tu partages beaucoup de secrets. Si tu ne connais pas quelqu'un, ne lui partage pas le secret. Ah, c'est celui qui a ton secret qui est mieux placé pour te nuire. Voilà, c'est cela que nous avons chanté ce chant. Jésus a donné un secret. Les gens qui devaient même livrer Jésus l'attrapaient avec peur. Ils ne savaient même pas qui était Jésus. Et c'est Judas qui a dit celui à qui je donnerai le baiser. Ils ne savaient pas. Et Judas mangeait avec Jésus. Judas était disciple de Jésus. Il connaissait l'endroit où Jésus avait l'habitude d'aller prier, qu'on appelle Gethsemane. C'est à Gethsemane que Jésus-Christ a été arrêté. C'est pas tout le monde qui doit entrer dans ton intimité. Oui, c'est ça que moi, je ne fais pas confiance aux gens à 100%. Parce que la confiance, ça se mérite. Vous faites confiance à quelqu'un, ça se mérite. Ah, tu ne me fais pas confiance. Mais je te fais confiance pour quoi? Tu m'as fait quoi pour que je te fasse confiance? La confiance, vous voyez là, ça se mérite. Pour que je puisse te faire confiance, que tu as posé un acte qui me pousse à croire en toi. Sinon, je ne peux pas croire en toi. Je crois en toi, mais il y a des doutes. Ah oui, parce qu'on ne sait pas, l'homme est changeant. On ne finit pas par connaître l'homme à 100%. C'est ça, malheureusement, nos mamans à qui nous confions, ce sont nos mamans aujourd'hui qui sont là-bas de nos problèmes. On ne sait même plus où mettre la tête. Jésus a donné un cambalé. Jésus a donné. Pas l'argent n'importe qui, on confie l'argent à celui à qui on fait confiance, mais c'est le trésorier qui a livré Jésus. C'est pour ça qu'il faut te méfier, faut faire très attention. Les gens pensent t'aimer, pourtant en réalité le cœur est partagé, ils sont pas sincères. Le vrai sorcier, vous voyez, il est hypocrite. La sorcellerie s'est caractérisée par l'hypocrisie, fait semblant d'aimer, il sourit autour de toi. Et bien justement, envoyer une information. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Jésus même conseille la prudence. Il dit, soyez prudent comme les serpents. Soyez prudent. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, méfiez-vous de lui partager votre secret. Dans les états, on appelle secret d'état. Il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne partage pas. Si tu partages, tu t'exposes. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. C'est pour ça que, frère, il faut apprendre à se taire. Le jour où les marches sont allées vers le roi, Hérode, pour lui donner, dit la définition de l'étoile qu'ils avaient vue. Hérode est devenu sorcier. Parce qu'il s'est dit non, vous avez vu l'étoile d'un roi, il faut que je le tue. Il y a des gens, quand tu leur parles de la bénédiction, ils se mettent là, ils ne sont pas contents. Quand Saül, quand les gens commençaient à chanter les horloges de David, David a tué les 10 000, Saül les 1000. On dit Saül a commencé à jalouser David. Et un mauvais esprit venant de l'Éternel a commencé à l'animer. Et le roi est devenu sorcier. Vous l'avez tout fait pour détruire. Faites très attention à ceux qui marchent avec vous. Ce sont eux qui vont vous détruire. Ce sont eux. L'ennemi n'est pas de loin. Celui qui est loin a peur de toi, bien sûr, ne connaît pas. C'est celui à qui tu t'exposes. Celui-là qui est bien placé. Sur sa bien-aimée, ayez le discernement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Un vrai, quelqu'un qui t'aime, vous allez voir le signe. Il est toujours prêt à te défendre. Quelqu'un qui t'aime, il ne va jamais s'attendre à ceux qui parlent mal de toi. Si quelqu'un t'aime et puis s'attend avec ceux qui parlent mal de toi, ceux qui ont quelque chose en commun. C'est vrai que Thank you.
comme ça la vie. Il y a trop de méchants personnes. Il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants de Satan. Tu ne peux pas changer ça. Parmi les disciples se trouvait un enfant du diable. Parmi tes amis, ceux qui te fréquentent, forcément, ils voient des enfants du diable. Il faut avoir le discernement. Celui qui n'apprend pas à te défendre, c'est qui t'expose. Celui qui n'apprend pas à te protéger, c'est qui t'expose. Ne marchez pas avec n'importe qui. C'est biblique. La Bible dit, soyez prudents. Ah oui, le serpent il est prudent. Tu l'as loupé, il ne vient plus. Soyez prudents. C'est manque de prudence qui fait que le diable finit par vous avoir facilement. Vous faites confiance aux gens maintenant. Non, vous ne faites pas confiance aux gens. La confiance, ça se mérite. Pour qu'il te fasse confiance, tu as posé un acte. C'est une situation qui fait qu'on perd confiance. C'est une situation qui fait qu'on gagne la confiance de la personne. Tu m'as fait croire que tu fais confiance. Je crois en toi, mais tu n'as pas confiance. Mais la confiance, elle n'est pas à 100%. Et la confiance, c'est quelque chose qu'on perd facilement. Ça dit, ce n'est pas là d'ailleurs. C'est ce que vous ne savez pas. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là à 100%. C'est ce qu'on appelle. Quel acte tu as posé pour que ça m'amène à te faire confiance? Tu ne m'as pas aidé. Tu ne m'as pas fait avancer. Et j'ai encore cru en toi maintenant. Ah non? Amen. Qui Dieu nous aide. Le plus grand don, c'est le don de discernement. À savoir celui qui est en face de toi, qui il est. Parce que l'apparence trompe. Vous voyez, les gens croyaient en eux, mais l'apparence, vous voyez là, ça trompe. Il est en face de toi, mais il a une personne intérieure. C'est cette personne-là qui fait la vraie personne de la personne. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour savoir qui est la personne. Si vous arrivez à le maîtriser, c'est fini. Vous pouvez changer avec la personne librement. Mais gardez le secret. Pour avancer dans ce monde, il faut garder le secret. Chacun projet, il faut savoir garder le secret. Et quand tu gardes le secret, tu avances. Si tu veux parler, Dieu est là. Baba jusqu'à fatiguer. Si tu veux faire une maison, ferme ta chambre et baba. L'homme, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Il va te faire quoi? Il va arranger quoi? Amen. La Bible me dit, malheur soit celui qui met sa confiance à l'homme. Amen. Moi, j'ai une idée. Quand je sors, je sais qu'il y a des enfants du diable et puis il y a des enfants de Satan. Et puis les enfants du diable sont plus beaucoup que les enfants du diable. Les enfants de Dieu. Pendant 10 enfants, vous allez voir 3 enfants de Dieu et puis 10 enfants de Satan. C'est comme ça, hein? Il a dit que j'exagère, mais c'est comme ça. Donc soyez prudent. Quand vous parlez, soyez prudent. Voilà. Celui qui t'a jamais aidé, c'est qu'il va te détruire. Amen. Donc si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas aussi le détruire. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Si tu ne peux pas aussi aider quelqu'un, ne sois pas la base de sa destruction. Amen. Amen. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Sur Facebook, on dit un pasteur qui a giflé une femme au Cameroun. Qu'est-ce qu'elle est ton avis? J'ai dit, moi, je n'ai rien à dire. Si vous dites qu'il est homme de Dieu, moi, je ne fais que prier pour lui. La Bible dit, moi, je ne vais pas servir ce bébé, que celui qui est fort soutient les faibles. Moi, je ne peux pas parler mes moments de faiblesse d'un homme de Dieu que vous pensez qu'il a giflé quelqu'un. C'est vrai que je condamne l'acte avec toutes les dernières énergies, parce que la femme mérite beaucoup d'attention, protection. Moi, j'aime beaucoup bien que la femme soit protégée. J'aime bien que les gens, qu'on ne gifle pas les gens. J'aime bien qu'on ne fasse pas des bavures. Mais je ne veux pas que les gens récupèrent une situation d'un homme de Dieu pour faire de ça un buzz. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Quand moi, j'ai vu la situation, je commençais à prier pour l'homme de Dieu. Je commençais à prier pour lui, que de le blâmer. Je ne suis pas un juge. Non, je ne suis pas un juge, je suis un homme de Dieu, un homme comme lui. Il a commis une erreur. Mais vous ne savez pas quelle est l'alliance entre lui et Dieu. Si vous ne croyez pas à son ministère, ça n'engage que vous. Vous, si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas se le détruire. Il ne faut pas se profiter d'une situation pour dire que le monsieur est mauvais. Et franchement, voilà. Donc, j'ai fini par comprendre qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes. Et dans cette corporation d'hommes de Dieu, j'ai vu que les gens de Dieu hier prenaient cette image et ces hommes qui disent hommes de Dieu, qui sont aux États-Unis, à Paris, qui étaient en train de parler mal. Moi, je les ai fermés sur mon Facebook. Non. Parce que je ne peux pas permettre qu'un homme qui dit homme de Dieu rencontre, voit une situation d'un homme de Dieu quand il a fait une situation, mais je pense qu'on le couvre. Les enfants de Noé, il y a 2 enfants qui ont vu la nudité de leur père, ils sont venus le couvrir. On doit couvrir la nudité d'un frère qui vient de connaître une situation terrible. Ça peut arriver.
à tout le monde. Sur notre forme, lui il a giflé. Ça peut arriver. Je n'encourage pas l'acte. Je pense qu'on me comprend très bien. N'est-ce pas? L'acte, je condamne ça avec toute et dernière énergie. Mais après l'acte, ce qui se fait autour de l'acte, où on blâme maintenant celui qui a commis l'acte, c'est ça le problème. Or, c'est un homme de Dieu. Je m'en fiche si tu crois ou pas à ça. Voilà. Je m'en fous si tu crois à ça ou pas. Donc voici ma situation, voici ma position. Je voudrais que nous passions là-dessus. Nous avons beaucoup à faire. Amen. Laissons cette histoire. C'est quelqu'un qui est oisif, mais qui cherche à voir qui a fait quoi sur Facebook. Moi, je ne suis pas pasteur de Facebook. Moi, je ne suis pas pasteur de Facebook. Moi, je suis dans Bruce. D'ailleurs, je vous annonce que la semaine prochaine, on sera à Bangourou. Du 8 au 10, nous serons à Bangourou pour attraper les sorciers de Bangourou. Il y a beaucoup à faire. Et pensez, merci Facebook pour chercher qui a péché, qui a parlé mal, qui... et puis pour l'insulter sur Facebook. Je ne suis pas un pasteur de Facebook. Je suis un prophète de village et qui met les sorciers au pas. Nous avons fait un ennemi commun que Satan. Laissons d'attaquer nos amis. Même s'ils sont en faute, nous devons les blanchir. Vous qui êtes forts, soutenez les frères. Amen, bien Dieu saisi. Ne vous mettez jamais dans les critiques concernant le nom de Dieu. Si quelqu'un commence à aborder le sujet, retirez-vous. Nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes pas juges. Peu importe la faute, que ce soit grave ou pas, après avoir commis l'acte, il peut se repentir. Et nous le jugeons après. Dieu pardonne. C'est vrai que ça. Mais il ne faut pas profiter d'une situation, d'un homme de Dieu, pour vous qui êtes des hommes de Dieu, au lieu de protéger cette corporation. Et c'est les hommes de Dieu qui font des simples problèmes de Facebook Live. On me pose des questions, je les ferme. Moi, je ne suis pas là pour répondre à les imbécilités. Excusez-moi pour l'expression. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour aller annoncer l'évangile de Jésus. Je suis là pour la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Ça m'attriste. La chute d'un homme de Dieu, c'est une tristesse pour le royaume de Dieu. C'est une tristesse. Qu'un homme de Dieu chute, c'est une tristesse pour le royaume de Dieu. Nous devons prier pour que les hommes de Dieu soient plus forts. Parce que nous sommes chaque jour attaqués. Ce qui arrivait à X, ça peut arriver à Crasso. Ça peut t'arriver, toi qui m'écoutes. Prouver que nous autres, si nous voyons quelqu'un qui est faible, nous devons le soutenir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Je ne suis pas prêt pour que je suis un homme de Dieu. Vous prenez les gens, ah non, c'est un plaisantin, il n'est pas comme toi, Crasso. J'ai dit, excusez-moi, répondez à la personne. J'ai appelé les 10 personnes, il n'est pas comme toi, toi. J'ai dit, je ne suis pas plus supérieur à, par rapport à ce monsieur sur lequel vous parlez. Crasso n'est pas supérieur. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Laissez-moi. Et puis d'ailleurs, si vous avez des sujets bizarres, arrêtez de m'envoyer ça par inbox. Arrêtez. Mon travail, c'est d'aider les gens. Les sorciers en train de manger les gens. Il y a beaucoup à faire. Il y a des oisifs sur Facebook. Moi, quand j'apprends une situation d'un homme de Dieu qui est tombé, mais c'est une tristesse. Je ne peux pas me moquer d'une situation, profiter et puis faire des sons, un buzz, en parler. Mais c'est une malédiction. Tu ne sais pas son alliance avec Dieu. C'est pas moi qui l'ai appelé. Lui dit qu'il est homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est entre lui et Dieu. Amen. Donc ne rentrez pas dans cette histoire. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour blâmer quelqu'un. Je suis là pour aider les gens. J'ai commencé à prier pour lui. Que Dieu l'aide à surmonter. Que Dieu l'aide à s'assagir. Parce que l'acte en elle, on nous condamne l'acte. Mais en même temps, c'est un acte humain. Il peut se repentir. Et puis, il peut devenir meilleur demain. Celui que vous blâmez aujourd'hui, là, il peut devenir grand d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, celui que vous insultez, là, quand il est arrivé à Paris, il a prié pour vous. Celui que vous insultez, là, il a prié pour vous à Paris. Il a prié pour les gens. Aujourd'hui, il est en difficulté, priez pour lui. Il est quitté encore du Val, aller au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'il le soutient. Moi, je ne soutiens pas les bêtises. D'ailleurs, lui et moi, là, on n'est pas trop amis. Hein. On n'est pas trop camarades. Mais il ne faut pas que vous allez m'envoyer l'image d'un homme de Dieu qui est en difficulté. Et puis profiter de dire, moi, je suis meilleur que les autres. Non. Moi, c'est Jésus-Christ. Seule la grâce de Dieu me soutient. Je ne suis pas supérieur à quelqu'un. J'aime aider les gens. Je suis un être humain. Tout peut m'arriver. C'est la grâce de Dieu qui me soutient. À mon seul. Salut, amour.
Nous allons tous tenir les mains. Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu en difficulté. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit sur le continent européen, que le continent américain, tous les hommes de Dieu qui traversent des moments difficiles, ils ont si besoin de nos prières. Quand nous sommes en difficulté, nous allons vers les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour nous. Mais ce sont des êtres humains. Ils ont si besoin de nos prières. Nous allons nous souvenir de tous ceux qui traversent des moments difficiles. Qu'un homme de Dieu traverse, des hommes de Dieu qui traversent dans leur foyer, dans leur ministère. Nous prions ensemble le Seigneur. Je vois tout le monde en train de prier, s'il te plaît. Seigneur, nous te prions pour l'église en général dans le monde. L'église en général dans le monde. Seigneur notre Dieu, nous te prions, Jésus-Christ. Merci de tendre ta main. Nous te prions de te manifester. Nous comptons sur ta main de soutenir l'église dans le monde. Seigneur, les hommes de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Et Seigneur, en Afrique, dans le monde. Seigneur, merci. Merci d'agir au nom de Jésus que je prie. On dit amen. Alléluia. Voyez vous asseoir que nous bénissons. Les enfants de Dieu, ils ont aussi besoin de prière. Moi, je reviens d'une fatigue générale. Je suis dans le lit. Depuis hier, je suis couché. J'ai une fatigue générale très, très grave. Je suis fatigué. On me mange, on me poursuit. Quand on vient dans le bureau, au moins 20, 30 personnes. Mais les sujets, si moi, c'est un poids. Je suis allé, je suis fatigué. Fatigué. Je ne peux pas sortir de ma chambre. Parce que quand c'est rétif, je prie aussi. Je vais, je prie. Fatigué. J'ai failli ne pas venir. Et la grâce de Dieu m'a fortifié. Amen. Et je suis venu. Je suis un être humain. J'ai dit au Seigneur, aide-moi. Parce que la fatigue, je ne vis plus pour moi, je vis pour les autres. En ce moment, quand il dit aux gens, je suis fatigué, ils ne comprennent pas. Ils ont dit, non, je suis un être humain. Depuis hier, je suis dans la chambre. Je suis fatigué, je suis couché. Il a failli ça pour me remettre un peu. Je suis un être humain. Dieu même l'a travaillé et était fatigué. Le septième jour. C'est pour ça qu'ils priaient pour nous. Le ministère le plus difficile, ce qu'ils sont en train de faire. Quand vous venez ici, tous les démons là, ils vous lâchent. Et puis sur le prophète casse les attaques. Maintenant, moi, je lis mes combats. J'essaie. Mes rounds là, je gagne ça. Premier round, je mets à terre. Premier round, je mets à terre. Moi, je boxe grave. À moi, premier round, je suis à faire deuxième round. Moi, c'est premier round, je te gagne. Je te boxe, premier, le coin, il te donne là, tu as à terre. Voilà. Je ne cherchais pas à discuter avec un sorcier. Quand il m'attaque, premier round, à terre. Boum, à terre. Donc c'est les combats. Imaginez-vous, au moins 20, 40 sujets, les sorciers, sorcellerie. Mais l'attaque vient vers moi. Je suis fatigué. Et j'ai oublié de me lever. C'est pour ça que je suis venu un peu plus tard. Sinon, moi j'ai l'habitude de venir vers dimanche, jeudi. Aujourd'hui, c'est le soir. Fatigué, je suis. C'est la grâce de Dieu qui me soutient. On va essayer de voir comment vous aider. Sinon, ce n'est pas fatigué. Ce n'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Aller attaquer les sorciers, la sorcellerie du village, aller déterrer tant, aller. C'est pas facile. Vous me venez, les sorciers sont là. Les plus grands sorciers de Côte d'Ivoire sont là. Vous me regardez. Les plus grands bandits. Quelqu'un qui vient dans Canary te voit, ta bouche, il te voit, t'es en train de prendre celui-là à Paris. C'est pas un grand sorcier. Donc, c'est tout ça. Donc, aidez-nous. Voilà, aidez-nous. Donc, quand vous avez un homme de Dieu, priez pour lui. Chaque fois, souvenez-vous, moi, quand je suis dans la prière, je me souviens des hommes de Dieu dans le monde. Et je prie pour eux. Quand j'attends qu'un homme de Dieu arrive telle chose, ça m'attriste. Mais je prie, c'est le corps qui atteint. Si ton bras, ton orteil est atteint, c'est tout le corps qui souffre. On va dire, ah, l'orteil, là, ça ne m'appartient pas. C'est dangereux. Quand ton frère est dans les difficultés, vous priez pour lui. Je ne sais pas quelle éducation les gens ont reçue. Mais on dit, on reconnaît là par ses fruits. Quand un homme de Dieu chute à les difficultés, et bien un homme de Dieu, notre pense le blâmer, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Mais tout compte fait, qu'on est homme de Dieu ou pas, quand quelqu'un a les difficultés, c'est pour prier pour lui. C'est pas pour l'insulter. La vraie éducation qu'on a reçue de Dieu, je suis dit, pardonne-les. Jésus a toujours soutenu les gens, n'a pas blâmé les gens. C'est pas un ministère. Le ministère de dénigrement n'est pas un ministère. Jésus-Christ a toujours partagé l'amour, primé l'amour. C'est ce qu'ils nous ont fait. Que Dieu bénisse. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Je reviens d'une fatigue générale, mais ça va aller.
Je confirme la tournée européenne, je confirme. Les gens sont en train de se poser la question, c'est quand, c'est bientôt. D'ici quelques jours, nous allons annoncer les dates définitives, d'ici quelques jours. Ne vous pressez pas. Voilà, nous sommes en train de mettre de l'ordre ici. Ne vous pressez pas, d'ici quelques jours, nous allons donner les dates définitives. Mais en même temps, s'il vous plaît, si vous appelez, n'est-ce pas, pour le comité d'organisation de l'Europe, soyez beaucoup sages. Parce que souvent, vous appelez ces personnes-là qui n'ont rien à voir, vous leur injurez, vous comportez très mal avec eux. Ce n'est pas eux qui dirigent mon voyage. C'est moi qui ai ça en main et c'est moi qui donne les instructions. Selon Dieu. Voilà. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous et attendez. Très bientôt, va annoncer. Pour vous dire en même temps, les numéros sont les suivants. C'est le même numéro. C'est le +337 62 40 24 84. +337 62 40 24 84. +337 62 40 24 84. Je ne donne pas les dates maintenant, la semaine prochaine. Inscrivez-vous. Nous allons visiter l'Italie, l'Espagne, France. Nous allons commencer à Lyon. La base même, c'est Lyon. Nous allons commencer. Et nous allons toucher aussi la Suisse, nous allons toucher l'Allemagne. Nous allons nous organiser pour vous donner les différentes dates très bientôt. Voilà, très bientôt. Apprêtez-vous bientôt, la semaine prochaine, vous aurez les dates définitives. Mais soyez beaucoup sages quand vous appelez. Même le secrétariat ici, à moi, quand vous appelez, soyez sages. Le prophète n'est pas obligé de toujours prendre le téléphone. C'est un secrétariat. Vous voulez, vous avez les soucis, vous adressez au secrétariat et vous enregistrez. Il vous enregistre. Il y a des personnes qui se déplacent pour venir ici. Donc, quand vous appelez aussi souvent au secrétariat, soyez aussi beaucoup sages. N'emmerdez pas nos pauvres secrétaires. Soyez beaucoup sages. Franchement. Ah, vous appelez. Ah, je veux. Donne-moi le numéro de. Donne-moi le numéro de Crasso. Regardez comment vous me parlez. Souvent, ils disent Crasso. Même à Paris, mais les gens disent ça. Je vais parler à Crasso. Moi, j'ai donné des instructions. Quand quelqu'un dit ça, raccroche le nez. Voilà. Si tu m'appelles Crasso, c'est que tu ne sais pas que c'est le prophète. Tu me prends pour ton copain. Non, non. Quand vous parlez, vous savez comment parler. Parce que quand vous ratez une communication, il y a un retour de communication. Quand vous ratez, ça vous raccroche. C'est le prophète Crasso, pas monsieur. Pas monsieur même. Je n'ai même pas monsieur. Celui qui m'appelle, il dit monsieur, mais je le raccroche. Prophète Crasso, je suis fier d'être prophète. Ce n'est pas un péché pour moi. Amen. Voilà. Donc quand vous appelez, je suis prophète. Vous m'appelez pas monsieur, je ne suis pas ton professeur ni ton maître d'école. Quand tu m'appelles en tant que prophète, je peux t'écouter. Si tu dis monsieur, il y en a beaucoup de Crasso. Donc je fais partie, mais moi je suis prophète Crasso. Voilà, soyez beaucoup sages. Je tenais à dire ça. Amen. Amen. Je tenais aussi à dire remercier les gens qui nous ont fait des dons cette semaine. Beaucoup de dons pour l'orphelinat. Beaucoup aussi de dons pour soutenir le ministère. Voilà, si vous voulez faire des dons, moi, vous appelez pour le ministère, bien sûr, vous appelez le secrétariat. +225 46 07 23 28. J'ai pris le temps de vous faire le retour, vous remercier de vive voix. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je fais maintenant les annonces parce que tout à l'heure, nous allons reprendre nos messages. Amen. Que Dieu bénisse. Vous êtes à la brigade anti-sorcier. Chaque homme de Dieu a son ministère. Nous mettons beaucoup l'accent sur la destruction des œuvres de la sorcellerie. Si vous avez un problème de cœur, on vous dit allez-y en cardiologie au CHU de 13 mai, n'est-ce pas? C'est là que ça se trouve. Vous bien. Vous allez, aller au CHU en cardiologie. Amen. Bon, nous, on est spécialisés dans la destruction des œuvres de la sorcellerie. Quand le sorcier te mange, il vient ici, il arrête. Si ton bipé, il faut venir. Si le sorcier t'a bipé, arrête. Viens. On va le mettre au pas. Sorcellerie, vous voyez là. C'est pas de l'amusement. Hein. Voilà. C'est ceux qui ne savent pas, qui sont en train de jouer. Celui qui ignore l'existence de la sorcellerie, c'est un problème pour lui-même. Voilà. Parce qu'ignorer la sorcellerie, c'est dangereux. Le problème même, quand vous ignorez, parce que la sorcellerie aimerait, les sorciers aimeraient que vous les ignorez. Et c'est la stratégie. Ils mettent une stratégie en part. Après, quand on parle d'eux, vous ne croyez pas. Et ils aiment bien ça. D'ailleurs, tout ce qui est un nom existe. Tout ce qui est un nom existe. Ça existe en bété, ça existe en goula, ça existe en français, ça existe en... Dans toutes les langues du monde, la sorcellerie existe. Et puis, c'est la même définition. Ça veut dire celui qui est mauvais, celui qui gâte. Amen. Et les gens restent, n'est-ce pas, incapables. C'est-à-dire les gens, ils s'arrêtent sur le stade, non, le sorcier est mauvais. Or, il y a encore plus grave que ça. Celui qui est sorcier tue. Voilà le problème. Il ne fait pas que gâter. Il fait peur, non. Il fait peur parce qu'il tue. Quand quelqu'un il est initié à la sorcellerie, chaque mois, il doit donner une personne. Et puis, vous voulez qu'on joue ça? Vous voulez qu'on joue ça? On n'a qu'à les laisser manger les gens, c'est ça? Hein?
Répondez-moi. Non. Par contre, tu manges un crabe, un poisson thon. C'est les gens qui prennent pour faire poisson thon. Matin, ils mangent, ils ont dit, ils le mangent. Sauce à cuite, sauce, balala, chicliti, balala, la baisse à demain. En togolais, la sauce à demain. Mangez ça demain, nous. Eh, placali. Mangez nos frères, encore les restes. Chaque mois, un sorcier qui vient d'être initié va tuer une personne. Donc, 12 personnes par an. Celui qu'au niveau 2, il tue une personne par semaine. Le responsable de la confrérie va tuer une personne par jour. Ah ah. Vous voyez, comment vous ne maîtrisez pas comment fonctionne la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une science occulte, elle est évolutive. De toute façon, aujourd'hui, il y a portable, il y a WhatsApp, il y a Imo, il y a Skype. C'est comme ça, eux. Ils n'ont plus besoin que tu sois dans sa famille. Tu n'es pas dans sa famille, je vais te manger, je te mange. Grave! C'est que dans nos écoles même, les enfants qui sont sorciers détruisent nos bien-aimés, nos enfants qui ne sont pas, ils les tuent. C'est un fléau. Tout le monde est concerné par la sorcellerie. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorciers. Il n'y a pas une famille. Et puis, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester muet. Il faut dénoncer la pratique. La Bible nous dit de dénoncer les œuvres du diable. Les gens disent, ah, le prophète, mais pourquoi il dénonce, il met les gens comme ça, parents des gens, devant tout le monde, parents des gens là. C'est parce qu'il a mangé qu'il est devant tout le monde. Moi, il ne le tue pas, il le délivre. Et puis d'ailleurs, je suis aujourd'hui, c'est ce que vous ne savez pas, je suis aujourd'hui à 8473 sorciers délivrés. Avec la même pratique. Et les pasteurs, c'est des gens qui sont sorciers qui sont devenus pasteurs dans notre ministère. Nous, on les délivre. On ne les tue pas. Au Cameroun, on les brûle. Nous, on ne les brûle pas. Si vous ne connaissez pas quelque chose, taisez-vous. Nous allons vous informer. Chacun son ministère. C'est ça qu'on prend la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 à 6. Moi, je m'en fous de comment les gens interprètent mes actions. Pourvu que le sorcier ne soit plus sorcier et les victimes soient délivrées. Moi, c'est mon problème, ça. J'avance. Celui qui me critique, l'enfant de Satan. Allez, celui qui vous protège, là, il dit qu'il a tué. Amen. Vous me regardez en bizarre, là, c'est quoi? Le chapitre 12, la partie du verset. Écoutez très bien la parole de Dieu. Écoutez très bien la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le verset 4, verset 6. Il y a diversité de dons. Ça veut dire qu'il a beaucoup de dons. Mais le même esprit. Le même esprit qui se manifeste. C'est-à-dire, moi je peux avoir un don, celui qui a boité peut avoir un don, mais on n'est pas forcément le même don. Diversité de ministères. On a beaucoup de formes de ministères. Mais le même Seigneur. C'est le même Seigneur que nous servons. Diversité d'opérations. Oui. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Écoutez, on est diversité d'opérations. D'abord des dons, des ministères, et la troisième étape, opération. Opération veut dire manière d'agir. Amen. C'est pour ça que quand vous voyez Jésus-Christ, regardez Jésus-Christ, il y a une femme qui avait peur de ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? 12 ans peur de ça, elle avait quoi? Elle a touché la robe de Jésus. Elle a été guérie, n'est-ce pas? Mais regardez quand vous prenez la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 9, un aveugle qui est né aveugle, qui rencontre Jésus, et cette fois-ci, au lieu que Jésus le guérisse, Jésus prend la salive, il met ça dans la boue, il applique ça sur les yeux. Comment vous comprenez ça? Diversité d'opérations. C'est ce qu'on appelle la diversité d'opérations. Bartimée n'est pas le monsieur. Il a guéri Bartimée, il dit va et ta foi t'a sauvé. Mais le monsieur, il avait besoin d'une action. Donc Jésus a posé. Le grand Jésus, est-ce qu'il avait besoin de prendre la boue et sa salive pour guérir les malades? Puisque lui-même son corps guérit les gens. C'est ça que quand tu ne connais pas quelque chose, il faut te taire, il ne faut pas critiquer. Il faut fermer ta... Excusez-moi, je n'ai pas eu de mal parler. Fermez ta bouche. Nous, on est en train de délivrer les mangeurs d'âme. Ouais, excusez-moi. On est en train de délivrer les mangeurs d'âme. Elles mangent des gens. Nous sommes en train de les délivrer. Donc, quand tu ne connais pas, tu te tais. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne une onction et la manière dont tu dois opérer dans ton ministère. Si ça te choque, ça n'engage que toi. Amen. On m'a bien saisi. Nous nous délivrons les sorciers. Et regardez. Colossiens le chapitre 2, 1 Colossiens le chapitre 2, le verset 14.
Quand on regardez les sorciers, vous voyez là, et c'est dans la nuit, ils gardent le secret. C'est des pactes qu'ils font. Donc quand vous les exposez, ça brise un pacte. C'est ça qu'un sorcier, toi tu ne peux pas arracher un avion à un sorcier. Personne ne peut arracher la vie à un sorcier. Parce que le sorcier ne parle pas. Il garde secret. Il va te dire, le sorcier ne dit pas. Le jour où il entend de parler, il brise le pacte. Parce que c'est un pacte de silence. Tu gardes le secret jusqu'à ta mort. Quand nous les mettons publiquement devant les gens en train de faire des aveux, ça brise d'abord le pacte. Parce que d'abord le pacte les initie à la sorcellerie. Donc ça brise le pacte. Après avoir brisé le pacte, nous procédons à la délivrance des sorciers. Parce que les aveux nous amènent à faire sortir les démons qui sont dans son corps. Parce qu'après avoir fini de parler, nous chassons les démons qui sont dans le corps du sorcier. Amen. Vous avez vu la petite fille la dernière fois que son papa avait renié et tout ça. Nous avons réconcilié la petite fille à l'orphelinat là-bas. Nous avons décidé de s'occuper des enfants. Ça veut dire que nous autres, là, nous ne rejetons pas les gens. Mais quand une maman est sorcière, il faut à mesure d'éduquer les sorcières. C'est pas moi qui t'envoie à faire la sorcellerie. Si tu allais faire ta sorcellerie, le jour où Dieu t'attrape, on va t'attraper. Tu vas parler. Si tu parles, on va te délivrer. On va bien saisir. Un Colossiens, le chapitre 2. Colossiens. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. Merci, arrête-toi là. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a livrées publiquement en spectacle. C'est une action très... On les dépouille de leur force, et nous les livrons publiquement en spectacle, dans le but de les attrister. L'acte qu'ils ont posé, qu'ils soient attristés, que ça leur pousse à une repentance. Donc c'est les actions fortes que nous posons. Ce n'est pas une question d'exposer les parents de quelqu'un. Nous amenons les gens. On n'a pas forcé quelqu'un de venir.